وي سيدي دي تولي انت كي 5 ثانتو غان محمد المغوك كي تكلت نظام نروح رباط رباط تولمت ديا كان يونو نغماس دمغناس كني مونير كجين نروح نوير ام سي سفيو تقاو ساكن ذا شو تخاطر ما ديم ثما ثقيا كي تقف اول تقف اول غفين كي شدن المغوك اكيد زغام وسنه كي تجي مس ديا ساغون اي دبلوماتيكي نكني قارنس لي غولاسيون ديبلوماتيك تسموث من اسرائيل اي توقف مسلاي اما ذي الجزائر اما ذي الماروك اما ذي دوكماضا المغا وذ امريكان ذاك كندا هذا دوك في مسلت كي لي غولاسيون ديبلوماتيك يا الماروك اكد لاسرائيل اي هي نناياس نفلستيكوسا كلش اما اي مولان بخام لكن قارن سقبيليت ذا ماروكي كي كاين اي ارديس من خمسة تكيم ذا شو ديالان وذا شو تسمو غليم إما غوكيين سوماتا غفوش كي سينير مونير تجير أزوف لك مونير أزوف لك إيك مرشيد أزول لي مزيغان تي مزيغان عندما لان عندما لانت أوكي أمونير أوي فني مزيغان إقبالي إتزيري إنك نملا إنك كي نفهمن خمسة تكيم إقدران وسنكي خطا غيتوق ستونت متسين ريزو سوسيو ستوري تزايرين وثنسلق صح سوانش تاكين ماشي دي قبالين قبالين وثنتانيا ثمسال تاني خاطر نتوق ساكين وقا كيك شد لنا غلا دغا سامو السويا كي من قرن أصنع عرب ثنسلم وثنسلق صح خاطر ديما أمن إثنيا مذابورة تزايرين سخدام من ثمسال تاكين فلسطين يريفا سنسني وكني ألا بنيس دوري دوكا ويفان نظر تاموغلين ومباروك كين كيشبان مونين كجين داشو تامورليني كان في لي غولاسيون ديبلوماتيك كي غير تامورتيك ماروك اك لزرايل تنميه مرشيد اين زمرا غادي نخف ساغن ليليا غير تمورت المروك اك لاسرائيل وجين بينز يعني سيتي دي رولاسيون كي اكزيستي دوبي لونتون سيت استوار دو نورماليزاسيون des relations diplomatiques qui fait le buzz sur les médias au niveau maghrébin et à l'international. C'était juste, à mon humble avis, c'est une correction d'une anomalie, d'une erreur diplomatique qui a été commise par le Maroc le 24 octobre 2000 quand il a fermé le bureau de liaison d'Israël sous les pressions de la Ligue arabe suite à la deuxième intifada. Mais avant d'entamer sur le sujet, il faut avancer des vérités historiques. La dimension juive, yani Oudayen, dit Mazra, est plus enracinée que la dimension musulmane en Afrique du Nord. Ça, c'est une vérité que personne ne peut contester. C'est-à-dire, Oudayen, Dimzdarim, Zoura, Gwakelagin, Tmazra, Lanbra, Lornvri. C'est une vérité historique que personne ne peut contester. Le Maroc, ça a une communauté juive, 1,3 million Oudayen. Une dizaine de juifs sont actuellement dans le gouvernement de Netanyahou. Bien sûr, on comprend à travers l'histoire que les Juifs étaient un peuple persécuté depuis leur existence. Et donc, c'est un peuple pacifique qui cherche la survie et la paix. Nous connaissons Daguide le Maroc. Nous avons une petite communauté maintenant, actuellement, entre 4 000 et 5 000 communautés juives, de la communauté juive. Mais après l'indépendance du Maroc en 1956, ils étaient estimés à 350 000 juifs marocains. Mais sous les pressions de panarabisme, de Nasser et autres régimes panarabes, les juifs ont quitté ce pays. Ont quitté ce pays comme ils ont quitté l'Algérie, la Tunisie, la Libye et tout ça. Et autres pays. Le Maroc, il vient de renouer ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Je pense que c'est un événement historique majeur qu'il faut fêter. C'est à la grandeur de du Maroc, parce que nous connaissons, on sait, Ara, Tilissa, les frontières avec l'État d'Israël,
Et puis, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit, normalement, qui est très loin aux Imazighen. Au nom de quoi les Imazighen vont mettre leur nez dans un conflit qui est très, 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 très loin. Donc, le panarabisme et l'islamisme, historiquement, ils ont utilisé ce conflit à des fins idéologiques. Un cheval de Troie pour des intérêts personnels. On ne peut pas être palestinien plus que le palestinien. C'est un conflit qui les regarde. Ça ne nous concerne pas en tant qu'Imazirans. En tant qu'Imazirans d'Afrique du Nord, ça ne nous concerne pas. Et puis, je crois que cet événement de renouer officiellement des relations diplomatiques avec tous les bienfaits de ce renouement ne peut apporter que les bienfaits pour les deux pays, aussi bien pour la communauté juive qui vit en Israël, marocaine, donc 1 300 000, aussi bien que le Maroc, il peut bénéficier de génie technologique israélien, le tourisme, par exemple, les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël, dans le domaine de l'agriculture, dans l'armement, pourquoi pas, et autres. Donc, au nom de quoi, c'est-à-dire, on peut condamner ce rapprochement. Hein? En fait, c'est un retravail, un retrouvail. Moi, je l'appelle un retrouvail fraternel. Et normal que les islamistes et les panarabes se sentent offusqués de ce rapprochement. Normal que qu'il y a des communiqués d'indignation de ce rapprochement officiel. Moi, ce que je peux dire, c'est que le Maroc de 2020 n'est plus le Maroc des années 90, où les foules ont été, menées comme des troupeaux pour scander et pour manifester pour la Palestine. Le Maroc d'aujourd'hui est le plus pragmatique. Il met en priorité ses intérêts souverains, diplomatiques, à savoir par exemple le conflit de Sahara, des provinces du Sud, à savoir les intérêts que les deux pays peuvent engendrer. Et dernière chose, c'est que l'État d'Israël, c'est un pays reconnu dans les Nations Unies, c'est un membre, c'est un État puissant, c'est un État démocratique, et puis faire barrière ou c'est-à-dire nier cette réalité ne peut être vu que sous l'utopisme ou de la myopie politique. تنميت مونيك تنميت في التفاصيل اللي كيتذكر هو ثني طيد ولا غا غا شو غي مازيغ نتفرجوا لي قرايين سنه في مسالتك كي ان بالستين كذا لزرايل تمسك كي شد وث مثلا ذات مثلا بوغ يعني صناع ذو ذاين ذات مثلا لي كوزان ذا اكيد قارن كي ابراهيم اسحاق اكل اسماعيل نكون ديري مازيغ نبعد في لا سن ولا غا غا شو انسكشن من هذه الفلوفه غير بعدن غاسو لما نكون نسعى في لوفانا قلا براتيك موس داوت مهر ساره ما تين الماروك المخزن تين الجزائر لما في كي طفن يتشدوا ديما في عرض تنسلم ايه هو يوفانا كي تدنيض اي مازيغ مخلن كان انا مخلن نفانس كي نوير ديال الماروك تنيض باللي les relations de physique mais voilà de Facebook et nous avec Monique notre belle les premiers à avoir tissé des relations diplomatiques dans le monde avec l'Israël c'est notre ancêtre Cheshnak qui est le premier à tisser des relations avec le roi Salomon Sidna Suleiman. Donc, c'était le premier qui a qui a des relations diplomatiques avec son voisin, parce que Ménila, d'Aguilé de Massar, Cheshnak, il a des relations diplomatiques avec Salomon, au rang de la Bible, c'est le verset chronique, et il y a des missions sur Salomon, en bois, mais qui font des ouvriers, qui n'ont pas la Bible, et il y a des choses qui sont soi-disant, et qui sont bien, et qui ont des choses qui sont Suleiman. هو فريد اشكو خاطر دام الا دام داكل شاشناق الا دام داكل سليمان لو هو سالومون دونك هي ثلاث محبه كاع غاسان ثلاث لي غولاسيون ديبلوماتيك دونك هي كيف دنير اي مازيغان سعى لي غولاسيون ديبلوماتيك افيك وذاين سيزليك ماشي ثورا كان وكذا وال ثورا
تفضل نوض نشتكي انا فوالا كي مني الحاجه غادي الحاجه فنشتكي لا بغي غادي ندير باغ اكزومبل كون جو بونس ان كرون ارتيست تري ريسبكتي تري كوني مونديالمون اون لوكورونس انريكو ماسياس انريكو ماسياس ميس نتموت نتزاير اي لو بريمي موندا دو ساركوزي سي ان امي انتيم دو ساركوزي اي دونك سا جو مي رابيل دافوار لو que la première visite officielle de Sarkozy en Algérie, c'est que quand Bouteflika a su que parmi la délégation officielle de Sarkozy, il figurait un certain Enrico Macias, eh ben, il a mis croix, il ne voulait pas le recevoir dans son pays. Et ça, c'est une culture de haine. Les Mazirans ne connaissent pas la haine envers les communautés aussi bien juives que chrétiennes. Que Enrico Macias soit interdit de revoir son pays avant qu'il meure. Ça, c'est le pur du fascisme. Ça, c'est du fascisme. Et puis, quand j'étais en Israël en 2015, invité pour une conférence internationale où il y avait une vingtaine de représentants d'une vingtaine de pays, de différentes confessions, etc. Et dont un imam tunisien, l'imam Hassan Chorkom, l'imam de la mosquée de Drancy, j'ai rencontré des images iraniennes issues de différentes régions du Maroc, du Rif, de Tumsaman, de Moyen-Atlas, du Sud. Et ils parlaient encore amazir. Ils parlent l'arabe dialectal. Ils sont fiers de leur origine amazir. Au nom de quoi on leur interdit d'aimer, de venir visiter leur pays, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le néofascisme. Et ce néofascisme, c'est salafiste maintenant, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, c'est ce qu'ils veulent instaurer. Le peuple amazigh, à travers l'histoire, il a côtoyé toutes les civilisations, qu'ils soient païennes, chrétiennes, juives ou musulmanes. Donc, nous, on refuse catégoriquement ce fascisme, et puis on espère que ce pas historique de renouer officiellement les relations diplomatiques avec Israël, avec tout ce qui peut venir en bien, les vols directs entre Tel Aviv et Marrakech, Tel Aviv et Casablanca, que la communauté juive marocaine qui est installée en Israël puisse venir librement venir au Maroc, que les Marocains, ceux qui désirent faire des affaires avec Israël, dans le commerce, dans le tourisme, dans les affaires, puissent aller visiter Tel Aviv, Beersheba, Ashdod, Jérusalem et autres. Au nom de quoi on interdit à une personne de prendre un vol et visiter un pays? Au nom de quoi? On est dans un autre siècle, on est dans une autre. Et puis les mentalités actuelles qui dénoncent ce genre de rapprochement, elles sont révolues à la poubelle de l'histoire. Donc à mon avis, si je comprends bien, la rue marocaine, elle ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des relations entre le Maroc et l'Israël, si j'ai bien compris de tes propos, n'est-ce pas? Oui, ce que je peux dire dans ce sens, c'est que la classe politique marocaine, abstraction faite des islamistes et des panarabistes, elle a bien accueilli cet événement historique. Dans la société civile, c'est la même chose. Dans la communauté amazighiste, c'est la même chose. Dans la rue, il y a des témoignages, il y a des déclarations, etc. Abstraction faite, bien sûr, comme j'ai dit, des islamistes qui ont essayé hier devant le Parlement de manifester, les islamistes et les panarabistes, ceux qui restent de baptisme, ils ont essayé de manifester. Malheureusement, les forces de police, ils ont fermé toutes les issues vers cette place. Et là, personnellement, moi, je suis contre le fait d'interdire à ces islamistes, à ces panarabistes, de les laisser de leur droit de s'exprimer, parce que normalement, il fallait, c'est aux autorités du ministère de l'Intérieur, aux décideurs de la Oulé et de Rabat, de les laisser pour voir réellement qu'est-ce qu'ils pèsent dans la réalité. Ils ne peuvent pas être un millier de personnes, je vous le jure, ils ne peuvent pas être plus d'un millier de personnes. Révolu le temps des années 90, où il y avait une manifestation d'un million de personnes, mais c'est le temps révolu. Le peuple marocain maintenant est là, mûri, et le plus pragmatique envers ses priorités stratégiques. Il n'y a pas beaucoup qui soutient c'est la cause palestinienne, parce que ils ont compris qu'on a d'autres affaires, d'autres priorités. Nos problèmes, c'est avec les infrastructures,
avec la pauvreté, avec la scolarité, avec l'éducation, avec les hôpitaux, avec etc., les infrastructures, ce qui peut porter, c'est-à-dire une bonne vie aux Marocains. C'est ça le vrai combat. Mais se mêler aux affaires du Moyen-Orient, je pense que ça n'a pas de sens. Et puis, au nom de quoi le Maroc crée un fonds financier pour le MAC des Siens, par exemple? Au nom de quoi le Maroc finance des dons, des bourses aux étudiants de Gaza et autres? Au nom de quoi on fait des hôpitaux et des universités alors que le Maroc en a besoin? Et c'est la même chose pour l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie et la Tunisie doivent voir ce que vit le citoyen algérien et tunisien. Il faut le défi maintenant, c'est le bien-être du citoyen maghrébin. Le citoyen maghrébin d'abord. Avant de balayer devant les portes des autres, il faut balayer les devants de nos portes nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est ça le vrai problème. Mounir, pour d'avoir un seul à faire zanik comme Sarkozy et puis Anna Komassia, c'est un bout de cadre, un bout de cadre des ou des chemins à être morte. Un écart à ma chère à Mounir, bout de cadre, c'est Mimoud Hassan Aguilid Hassan II, dans le Maroc. راح بوتفليقة تولنت ذيك الجنات باللي نسات سيماني سي راح مسلمك ايهود باراك دونك هو لا غا هو شو بوتفليقة مسلم تاع ايهود باراك ويتجاي غا وذايا الجزائري يشبان كوماسياس هذيك شمال كموفيس اشو دي نظر تنشتكي غا مونيال Ça, c'est de la pure hypocrisie politique, tout simplement. C'est de la pure hypocrisie politique. Parce que interdire une étoile de la musique dont l'Algérie doit être fière, Enrico Macias, l'interdire d'embrasser sa terre natale, son village natal, de voir ses amis d'enfance, etc. Ça, c'est injuste. Vraiment, c'est injuste envers un grand artiste. Au nom de quoi? Parce qu'il est juif, etc. D'ailleurs, les juifs en Algérie, historiquement, donc voilà, ils ont été persécutés, comme en Libye, par exemple. Il n'y a aucun Libyen maintenant qui vit un juif libyen qui vit en Libye. Maintenant, on ne peut pas même dire, on ne peut pas mettre une kippa en Algérie. Heureusement, au Maroc, on a une petite communauté juive qui ont leur synagogue, qui ont leurs tribunaux, qui ont leurs écoles, leurs lycées, et qui ont leurs restaurants, etc., et qui fêtent leur fête religieuse et tout ça, en pleine sécurité, etc., etc. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est la culture de tolérance envers toutes les composantes de la société. Mais malheureusement, le panarabisme et le baptisme, il a beaucoup nui à notre terre, l'Afrique du Nord. تنمية ثمونية تنمية تككري نساغة تجمع أنت ذي ولي تكيا وزيل إن كان كيا شطاح حشكون بغات النوير أن مقلت مغلية إمزدغ بقيت هنا في مسألة إمزدغ من باروك يشبان موني كي تجي سيرا بات الديفك أم في كار يتولين تم ستكي لي رولاسيون ديبلوماتيك يار من باروك أكد لإزرائيل كي زغام بسطان متسير إتزاريين قاحيت الحال إمي باروك تخدم نشتكي هي تنولم ثمغلية نمونيه غا سينيغ تنمي في كيفيك نمونيه غا ديني ضوا اللي كان كيرو J'espère un jour voir l'Algérie et la Tunisie et la Libye entamer des relations diplomatiques avec l'État d'Israël parce que ces relations ne peuvent être que bénéfiques pour ces pays, pour les populations nord-africaines et puis pour la prospérité et le bonheur et la tolérance et la fraternité entre ces peuples. Parce que l'Afrique du Nord, Tamazra, était une terre tolérante envers toutes les religions, envers toutes les civilisations, et malheureusement, elle a été tachée avec cette idéologie panarabiste et islamiste qui a fait et qui fait encore du mal. أكرا منيرة كنت دنيا تمزغان وتمتلين تمسال فوتغان سيزيك إمازيغان يغير غنفاني مزوغان يخدم لي رلاسيون ديبلوماتيك أك إسرائيل نزغان دوك مزوغو إذا كان أجلي ذنا شاش ناقي كنت تجلدا في 22 من مصر يسعى غساغان
des relations diplomatiques avec le roi Salomon, Gilles de Suleiman, ou ni mokarn kiki Sidna Suleiman, il a d'un de coul, les bonnes relations avec Cheshnaq. Ou Cheshnaq, il a donc la Bible, d'un des rois Halaman, le temple de Salomon, de Jérusalem, et puis de Viglandina, à Chkou, à Khatramis, à Rambouam, qui est dans la Bible, 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 نشاف الدين ينشف ربوام ميس سليمان أشكون خطر سليمان دم دا كل نبابا نشاشناق أجليز ناق إي مازيغان وكيفاش نظام كان باللي نكوني سي مازيغان نسعى لي رولاسيون ديبلوماتيك سي زي أكد أوذاين ماشي داغفل ناق داغفل ما سعى ناغفل ناك الوعرب ناك الفلسطين كي السيلا بناك ديما ديال الجزائر لادغا ثم ستكين الى خضو خط ماشي دار ناتشي في مونيت انا عرفن عرفنا نخدموا لي غولاسيون ديبلوماتيك جوستمون كد ليزرايل تو كي تخسر مونيا في الشتكي تم توليد تي بو رابو عرفن ام ليزيمارات ام ليزرايل ام العربي السعوديه البحرين سي سا سي سي تو بيرمي سي تو بيرمي دون سو سونس Au nom de quoi l'Algérie va fermer va, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, c'est-à-dire avoir des animosités avec Israël, alors que l'entourage d'Israël est en train de normaliser ses relations. On a le Royaume-Uni, bientôt le Qatar, le Soudan, et puis le Bahreïn, Oman et autres. Au nom de quoi ce panarabisme qui veut pas être, c'est-à-dire qui est en train de créer des problèmes, au nom de quoi? Donc voilà, on a vu les États un peu proches d'Israël qui sont en train de normaliser, et puis on s'abstient, nous, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au nom de quoi? C'est-à-dire, l'Algérien ne peut pas être plus palestinien que les Palestiniens, que les gens de Golfe, et puis... Au nom de quoi on envoie tellement d'argent alors que le pays en a besoin. Tout à fait. Aka folam de o kikeli de wolna gengo ma kiz gmat na amoni kiz jimo inertan mirat bat sinwen sin dakamina ordinaire qimat de thalwith